Comment lisser une image en 5 secondes? J'exagère peut-être un peu, mais vous allez voir, en pesant sur le piton, ça prend moins que 5 secondes. J'ai choisi cette image. Comme on peut voir, il y a quelques petites imperfections, mais pas beaucoup. Véronique, elle a vraiment une belle peau. Ce que je fais, je vais envoyer mon image en Photoshop. J'utilise toujours le piton de la souris droite. Modifié dans Photoshop 21. Voilà la photo. Comme je vous disais, quelques petites imperfections. Moi, j'utilise l'outil correcteur localisé pour réparer ces petites imperfections. On va juste enlever, il n'y en a pas beaucoup. Ici, j'ai de la lumière. Je vais juste retirer ça un tout petit peu. Voilà, pas plus que ça. Bon, on est prêt pour lisser le visage. Vous allez voir comment c'est simple. Vous allez dans les filtres. Je vais agrandir l'image un petit peu plus comme ça. On va filtre. Neural fill ou filter en anglais. Vous appuyez là-dessus. Vous allez voir, il va localiser le visage, vous voyez. Et ici, on a lissage de la peau. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'appuyer ici. Regardez le visage. Et voilà, la magie est faite. Vous avez deux options ici. Le blur ou le mettre plus soft, le softness. Soit vous y en rajoutez ou soit vous y en enlevez. La même chose ici pour le blur. Moi, je le laisse tout le temps à 50 à 0. C'est comme vous voulez, on en met un petit peu. Et la seule chose qu'on a à faire, ici, on a le choix pour les calques, le dupliquer ou comme vous voulez. Moi, je prends toujours un nouveau calque, je fais toujours un calque. On appuie, c'est OK. Et vous allez voir, c'est fait. La seule chose que vous pouvez faire, s'il y en a trop, ben, vous prenez l'opacité, vous l'enlevez ici, ou vous le rajoutez, comme vous voulez. Voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. On prend l'image, on la renvoie dans le Lightroom, soit vous enregistrez votre image ou vous avez fini complètement avec, vous appuyez ici, demande de sauvegarder, on écrit oui. Et voilà le visage dans Lightroom, lissé, vite fait. Ça donne quand même quelque chose de bien. Et voilà, c'est tout. Merci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines capsules, et un petit pouce fait toujours plaisir.